Mes chers collègues, merci d'être présents. J'espère que vous n'avez pas été trop entravés dans la conduite qui vous a amené jusqu'ici par les différentes crues. J'en profite tout de suite pour vous faire un petit point de la situation météo. Nous sommes, comme vous le savez, en vigilance orange en raison d'un risque de crue et en vigilance jaune en raison d'un risque de vent violent. Le bilan pour la nuit dernière, ce sont de fortes précipitations, puisque en 12 heures, le cumul a atteint les 15 à 20 mm, accompagné d'un vent de secteur ouest-nord-ouest. J'ai l'impression d'être monsieur météo, là. De secteur ouest-nord-ouest soufflant jusqu'à 65 km/h. S'agissant des routes départementales, je parle sous le regard de monsieur Cayrette, les agents des routes du département sont mobilisés afin d'assurer la bonne circulation des Gersois. Actuellement, les secteurs concernés par des fermetures de routes départementales sont la Dour-Gersoise, Pardillac-Rivière-Basse et Mirande-Astarac. S'agissant des prévisions, les précipitations deviennent de moins en moins nombreuses normalement, mais elles restent tout de même possibles jusqu'en fin de nuit. Les vents devraient s'abaisser un peu à 55 km/h. Et avec quelques rafales dans la nuit localement. S'agissant des crues, l'ensemble de nos cours d'eau sont en vigilance jaune sur le bassin Garonne, c'est-à-dire l'est du département, et en orange sur le bassin Adour, ouest du département. Les pluies tombées en Haute-Pyrénées vont faire monter plus rapidement les cours d'eau du Gers probablement dans la journée. Et bien évidemment, je rappelle toutes les consignes de prudence que nous adressons à l'ensemble des Gersoises et des Gersois, et qui sont celles du SDIS 32, qui intervient depuis hier assez fréquemment pour des gens qui s'engagent sur des routes, bien que celles-ci soient inondées et donc normalement impraticables. Voilà. Pour le reste, comme vous le voyez à nouveau, l'organisation de la séance tient compte de l'évolution du contexte sanitaire. C'est la raison pour laquelle monsieur le directeur général des services est là, mais il y a moins de directeurs que prévu ou que habituellement. Et bien évidemment, nous avons organisé la séance pour que ce soit la distanciation la plus importante. Un petit point justement sur la situation sanitaire. À l'évidence, elle continue de se dégrader très fortement, puisque hier notre taux d'incidence était à un peu plus de 560 pour 100 000 habitants, ce qui est très important. Notre niveau d'hospitalisation est largement au-dessus de ce qu'il a été depuis le début de la crise. J'ai plus le chiffre en tête, mais on doit être pas loin de 70 à 80, donc c'est énorme, avec une augmentation des personnes qui sont en réanimation. Je signale au passage que pour l'essentiel, les gens qui sont en réanimation sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Nous avons un plan blanc qui est déclenché pour tous les hôpitaux d'Occitanie, dont pour l'hôpital d'Auch. S'agissant des écoles, nous sommes en niveau 3 avec néanmoins 22 classes qui sont aujourd'hui fermées. Quant à la vaccination, on essaye de faire en sorte que, à la fois les premières doses ou deuxième doses, mais les rappels surtout de troisième, puissent intervenir massivement. Notre plateforme a reçu près de 10 000 appels au cours du mois qui vient, et bien évidemment, nous avons réactivé des centres de vaccination, mais on peut le faire aussi chez les médecins, avec les infirmières de ville, chez les pharmaciens. J'invite là encore à la vaccination qui, si elle n'empêche pas d'avoir le Covid, en atténue quand même les formes les plus graves. On le voit dans l'évolution que nous pouvons avoir dans le département. Enfin, nous allons remettre en place un vaccibus qui va être posté sur la salle des fêtes de Massub les 16, 23 et 30 décembre. Et puis on verra ensuite qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin. Mais voilà, en tout cas, une situation qui est loin d'être réglée.
avec toujours parfois des difficultés à comprendre. Je pense que les restrictions, les jauges, les accès au café étaient plus restrictifs quand nous étions à 50 pour 100 000 habitants qu'aujourd'hui où nous sommes à 10 fois plus. Donc c'est toujours un peu difficile d'expliquer aux gens, de comprendre. Moi, je suis très content pour l'économie, que les choses puissent être faites, mais si vous avez en mémoire, il n'y a pas très longtemps, on nous refusait, quand on était à 60, d'avoir des allègements de restrictions, et là, il n'y a pas de restrictions majeures, alors qu'on est à 10 fois le niveau, ce qui est absolument difficile à expliquer et à comprendre. Voilà. Mes chers collègues, c'est une commission permanente, mais comme vous le savez, elle nous réunit tous, donc c'est presque une assemblée plénière. Avant l'examen des affaires courantes, puisque c'est plutôt le cas, vous avez vu, vous avez devant vous un jeu des sept familles. Ce jeu des sept familles est un jeu des sept familles sur le patrimoine gersois en occitan, qui s'appelle Oc en Joc. J'espère que je le dis à peu près bien. Mais on va laisser là-dessus plutôt Yvette Ribes nous en dire un mot, parce que c'est elle qui est un peu la cheville ouvrière de notre politique en faveur du patrimoine occitan, de la langue occitane et des traditions occitanes. Donc Yvette Ribes, je vous laisse la parole. Pardon de ne pas avoir précisé que Xavier Balinguer n'était pas là et qu'il avait donné son pouvoir à Valérie Manissol, que Benoît de Senlis n'est pas là et qu'il a donné son pouvoir à Emeline Lafont, et que Lydie Toison n'est pas là et qu'elle a donné son pouvoir à Bernard Xatz. Voilà, Yvette. Merci. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, chers collègues, la culture occitane est un patrimoine immatériel qui s'est construit au fil des siècles, luttant contre sa marginalisation sur certaines périodes. Depuis la Révolution française, c'est le français qui doit être maîtrisé, et les patois viennent teinter chacun des territoires concernés sans s'affranchir de l'indivision républicaine. Notre département du Gers est couvert de manière pleine et entière par cette culture occitane qui a forgé et qui forge encore notre identité gasconne. La culture occitane, vous le savez, est vectrice de liens sociaux, de liens intergénérationnels, de convivialité, mais aussi de partage et de transmission. À ce titre, le département du Gers, en partenariat avec l'ACPPG, c'est l'Association pour la culture populaire en Pays gascon, et la section du CREO 32, le CREO, c'est le Centre régional des enseignants en occitan, ont réalisé collectivement un jeu de cartes de sept familles qui comprend les thématiques de la gastronomie, de la musique, de la danse, du petit patrimoine, des sports et jeux traditionnels, des personnages légendaires et des sites patrimoniaux, afin de mieux connaître des éléments culturels propres à notre territoire. Un support pédagogique bilingue accompagne des éléments d'information sur chaque sujet abordé. Alors, ce jeu de cartes a été produit en 1000 exemplaires qui seront prochainement distribués aux 189 écoles primaires, aux 22 collèges et aux 45 établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées du Gers. Ce jeu promotionnel permet surtout de découvrir de manière ludique divers éléments culturels propres à notre territoire et ainsi à le valoriser. Je vous invite donc, à l'issue de la séance et dans le respect des règles sanitaires imposées, à venir consulter cette affiche qui est située derrière nos collègues Céline Salle et Francis Dupuy. Je vous invite également et surtout à ouvrir cette boîte de jeux de cartes, Oc en Joc, où vous aurez le plaisir de redécouvrir par exemple la cathédrale d'Auch, par exemple l'abbaye de Flarens, mais aussi les arènes d'Estaing, etc. Je ne vais pas vous citer. Et tout le petit patrimoine de nos campagnes, comme les pigeonniers, le lavoir, le moulin. Donc voilà, je vous invite à consulter tout cela. L'illustratrice a fait un très joli travail. Et bien sûr, c'est un jeu auquel on peut jouer en famille. Il n'y a pas de limite d'âge. Voilà, je vous remercie.
Merci Yvette, et vu l'évolution de la situation sanitaire, je pense que les jeux de société en cercle relativement fermé vont avoir un gros succès, donc je pense que vous aurez plaisir à participer à ça. En tout cas, merci Yvette, parce que ça permet aussi, de manière un peu ludique en quelque sorte, de continuer de parler de notre patrimoine occitan. Nous allons aborder les rapports, dans l'ensemble de ces rapports finalement, il y a des tas de choses qui sont des choses communes, mais il va y avoir un petit fil rouge, si j'ose dire, sur la question des transports, puisque nous aurons un rapport qui aura trait la déviation de Gimont et à la gestion du patrimoine existant autour de la mise en route de cette déviation qui ne saurait tarder pour avoir eu un contact le week-end dernier avec le Premier ministre. Celui-ci m'a dit qu'il envisagerait assez rapidement de venir à nouveau pour cette fois-ci non pas simplement sceller une convention mais inaugurer la déviation de Gimont. Donc je pense qu'on est vraiment plus très loin maintenant de cette déviation. Nous aurons un rapport très important sur le financement de la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Ce sera l'engagement fort du département pour ce financement, 14 millions d'euros, un étalement sur de très nombreuses années qui fait que c'est supportable pour notre collectivité locale. Je ne pourrais là encore que regretter que, pour des raisons idéologiques, certaines collectivités locales de Nouvelle-Aquitaine refusent aujourd'hui de participer au financement, alors que les collectivités de l'ex-Midi-Pyrénées n'ont pas hésité, lorsqu'il le fallait, à financer la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Et je veux dire que je suis assez choqué par cette rétrocité, alors que Martin Malvy, à son époque, avait pu consacrer jusqu'à 300 millions d'euros de Midi-Pyrénées sur cette ligne. Toujours est-il que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Le jour où la gare d'Agen sera à 2h30 de Paris, pour l'attractivité du Gers, ce sera quelque chose de très très important. J'ajoute qu'il faudra aussi, dans le même temps, ce sera le travail que nous allons faire ensemble dans les mois et dans les années qui viennent, peut-être réhabiliter la ligne pour les voyageurs entre Auch et Agen, parce que s'il y a une gare d'interconnexion au sud d'Agen tournée vers le Gers, je trouve que ce sera bien, effectivement, de faire du fret, mais comme vous savez, la ligne de fret qui est en train d'être réhabilitée, elle ne va que jusqu'à Sainte-Christie, elle ne va même pas jusqu'à Auch. Elle est prévue uniquement pour les grands moulins, on va dire. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant, à mon avis. Je pense que si on avait une ligne de voyageurs en connexion, ça éviterait parfois ces cars qui partent à l'heure, alors que le TGV, lui, n'arrive pas toujours à l'heure à la gare d'Agen. Donc on va voir ce qui se passera, mais ça, c'est quelque chose d'important. Et puis on a aussi un vœu qui nous est soumis par nos collègues, par l'ensemble du groupe majoritaire, mais notamment par Michael Rora et Chantal de Dejean, et d'une manière générale les élus des cantons d'Auch, et qui concerne ce serpent de mer qui existe depuis je ne sais combien d'années, à savoir le contournement d'Auch nord-sud, pour éviter que nous continuions d'être, je crois, la seule métropole d'Occitanie, en tout cas chef-lieu de département, à continuer d'être traversée, comme nous le sommes, par des camions qui sont dangereux, qui n'ont rien à faire dans une ville, comme c'est le cas, et donc il y a besoin de ça. Donc si on en est bien d'accord, je passe la parole peut-être à Michael Aurora, qui nous fera lecture du vœu. Vous avez fait une action pour sensibiliser la population il n'y a pas très longtemps, et là maintenant il y a ce vœu, et ce serait important pour la suite de faire en sorte que cet équipement soit pris en compte mieux qu'il ne l'est aujourd'hui. Michael. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, vous avez vu dans la presse qu'il y a un mois à peu près, il y a eu une première mobilisation sur ce projet de contournement d'Auch-Pavie. Alors effectivement, cette mobilisation va s'inscrire dans la durée, on en est conscient.
Elle a surtout vocation à s'élargir parce qu'elle ne concerne pas uniquement le bassin de Vidoche. Voilà, elle concerne aussi tout le désenclavement du sud du département. Alors, je vais lire ce vœu. Le 8 novembre dernier, plus d'une centaine de personnes, habitants de Pavie et d'Auche, usagers de la RN21 ou gersois mobilisés pour le désenclavement routier et l'adoucissement des déplacements urbains, se sont réunis au rond-point de Beaulieu à Pavie. Depuis ce jour, plusieurs centaines de citoyens ont signé la pétition pour la déviation d'Auche et de Pavie, un projet d'infrastructure dont l'intérêt général ne saurait être remis en doute. Chaque jour, en effet, 20 000 voitures et poids lourds traversent en leur centre Pavie puis Auche. Cette concentration de véhicules entraîne de multiples désagréments. Accrochage de piétons et de cyclistes, pollution de l'air, pollution sonore, dégradation des infrastructures routières et du patrimoine bâti, engorgement de la ville. Au regard de ces problématiques qui n'ont cessé de s'aggraver avec le temps, il devient indispensable d'alerter le gouvernement sur la nécessité d'un contournement d'Auche et de Pavie afin de dévier ce trafic de transit. Cette demande repose sur quatre motivations essentielles. Améliorer la qualité de vie de 25 000 habitants d'Auche et de Pavie, désenclaver la partie sud de notre département, ce qui bénéficiera aux 50 000 habitants de l'Astarac et du bassin d'Auche, rapprocher le Gers du Lot-et-Garonne et des Hautes-Pyrénées, en faisant sauter le bouchon d'Auche-Pavie, enclencher la transition écologique en réduisant la pollution urbaine, en optimisant la pratique des déplacements doux ainsi que l'usage des transports en commun dans nos communes. Le dossier de contournement d'Auche-Pavie est une priorité que l'État doit traiter favorablement dans les meilleurs délais. Elle transformera le visage d'Auche, de Pavie et du département tout entier dans sa traversée nord-sud. C'est ce que l'Assemblée départementale du Gers demande aujourd'hui d'une même voix. Merci. Bon, je pense que tout le monde, même si dans les territoires qui sont les vôtres, vous n'êtes pas tous concernés, bien évidemment, par l'urgence de ça, mais je crois qu'on est assez d'accord. Monsieur Gabas. Oui, bien évidemment, nous allons voter d'une seule voix, comme vous le dites dans votre vœu, cette volonté de désenclaver cette partie du département. Mais je pensais, par rapport à vos propos préliminaires, qu'il serait pertinent, ou plutôt impertinent, que notre collectivité envoie un vœu au maire de Bordeaux pour lui expliquer que l'Ouest gersois attend depuis de nombreuses années justement ce désenclavement ferroviaire et donc cette ligne LGV. Ce serait peut-être inutile, mais les vœux sont toujours pieux, hein, mais je crois que ça serait bien qu'on imagine un vœu de ce type. Je ne suis pas opposé à cela, mais dans ces cas-là, il faut aussi en envoyer un au président du département de la Gironde, qui est un socialiste et qui a aussi pris la décision de ne pas participer. Il faut également le faire à la présidente du Lot-et-Garonne et aussi au maire et président de l'agglo d'Agen, parce qu'eux aussi sont tous dans cette situation-là. Donc nous pourrions, à défaut de rédiger un vœu-là, écrire un courrier qui serait celui de l'ensemble des conseillères et conseillers départementaux que nous pourrions adresser à ces élus-là en les alertant sur le fait que lorsque nous avions dû... parce que vous savez, moi j'ai des contacts avec ces gens-là qui me disent « Mais oui, mais on a fait voter dans notre assemblée et les gens étaient contre. » Je dis « Moi, si j'avais fait voter sur le financement Tour Bordeaux par les Gersois, probablement que ça aurait été contre aussi. » Je veux dire, expliquer ça, c'est plutôt compliqué. Il faut avoir une vue de projection. C'est ça qui est toujours terrible. Au fond, on a des gens qui disent « Bon, ben voilà, jusqu'à Bordeaux, c'est fait, donc tout va bien, sans penser aux autres. » C'est pas ça, la solidarité territoriale. La solidarité territoriale, c'est effectivement considérer que nous avons aidé des collectivités de Nouvelle-Aquitaine et que, par voie de conséquence, nous demandons une réciprocité. Donc, c'est ça qui est vraiment le plus dommageable. Alors, il y en a pour lesquels c'est des raisons, à mon avis, assez idéologiques. C'est le cas du maire de Bordeaux. Il y en a pour lesquels c'est des choix de collectivité en disant que les gens préfèrent les trains du quotidien. Mais moi aussi, j'aime les trains du quotidien. Je veux des trains du quotidien. Je veux qu'on ait un train du quotidien qui aille plus vite entre Auch et Toulouse, avec peut-être des trains directs qui feront que ce sera plus facile. Je veux, et je l'ai dit, un train entre Agen et Auch. Les trains
Radio Quotidien, on est d'accord avec ça, mais pour autant, on a besoin de cette ligne à grande vitesse, parce que là, c'est un équipement d'aménagement du territoire, c'est un équipement fondamental pour nous. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre la décision aujourd'hui. On a la chance que beaucoup de planètes étaient alignées. Le président Macron n'a pas toujours été favorable à cela. Il l'est devenu. On a Jean Castex qui, lui, pour des raisons qu'on connaît, parce qu'ensuite tout ça se prolonge vers Perpignan, vers la Catalogne, est favorable à ça. On a la région Nouvelle-Aquitaine de Rousset qui est favorable à ça. On a l'agglomération de Bordeaux qui est aussi là, présidée par un socialiste qui est d'accord pour le faire. Mais on a avec la ville quelque chose qui relève effectivement plutôt de l'idéologie. Et de l'autre côté, on a des choix qui ne peuvent pas être les bons. Hein. Alors, c'est pas simple. Ne croyons pas que c'est simple, parce que, notamment dans le Bordelais, le tracé de la ligne, il passe par des zones de vignobles d'assez grande importance. Hein. On pense notamment à la partie de Sauternes. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple pour le sud de Bordeaux pour aller vers le Pays Basque, où là, il y a d'autres difficultés politiques d'une autre façon. Mais nous, Gersois, nous avons absolument besoin d'avoir effectivement cette ligne. Ça aura un impact incroyable sur le développement économique de notre département. Donc, effectivement, je suis parfaitement d'accord pour qu'on prenne une initiative pour dire à ces collectivités que nous attendions, que nous voudrions qu'elles soient au rendez-vous, quoi, hein, en quelque sorte. OK. Alors, le vœu, quand même, bon, j'imagine que tout le monde est d'accord, donc ce vœu est désormais le vœu de l'Assemblée départementale que nous transmettrons à M. le préfet du Gers et à M. le préfet de région, puisqu'il y a des négociations sur les futurs contrats de plan. Il faut qu'il y ait des inscriptions qui soient faites à ce moment-là. Je ne sais pas si je le verrai, mais en tout cas, je suis ravi aujourd'hui d'enclencher avec vous cette mécanique. Bien, nous passons à l'examen des rapports et la première commission solidarité et protection. Le rapport 12C00, qui est-ce qui... C'est, alors, comment vous vous répartissez là? Oui, bah, je vous laisse faire, hein, d'accord? D'accord. Oui, c'est pour présenter le rapport. Donc, il s'agit du nouveau schéma départemental du service aux familles, donc pour la période 2021 et 2025, qui fait suite à celui qu'on a déjà voté en 2016 sur la période précédente. Il permet donc de répondre aux besoins des familles et des enfants de la grossesse aux 25 ans des enfants, enfin, et des jeunes. Je voudrais faire un petit focus, du coup, à cette occasion, sur une enquête de la CAF 2018, qui montre que les jeunes, chez les jeunes, il y a eu donc cette enquête chez les jeunes, et donc un tiers veulent quitter le département, 25% sont en souffrance de mauvaises relations avec leurs parents, 20% sont en souffrance à l'école et 15% dans leur apprentissage. Donc ce schéma permet de répondre à cet état de lieu et nous permet de travailler sur de nouveaux modes de vie, par exemple, développer la colocation des couples en devenir ou des jeunes, développer l'habitat des jeunes, développer aussi un référent jeune par EPCI. Voilà, il s'agit de faire du sur-mesure. Il s'agit aussi d'aider les parents à repérer les signaux d'alerte de harcèlement ou de discrimination, de trouver de nouvelles solutions à l'errance professionnelle de certains jeunes, et rechercher l'implication des jeunes et les aider à s'engager et d'avoir un pouvoir d'agir en société. Voilà, donc il s'agit d'un copil qui est vraiment très complet, avec bien sûr l'État, le département, la CAF, l'Éducation nationale, la MSA, la CPAM, l'UD des CCAS, le Pôle emploi, Mission locale et Cap emploi. Voilà, donc je vous propose de voter ce nouveau schéma départemental de services aux familles. Alors, je vais d'abord remettre les choses au clair. Vous m'excusez sur ces bêtises, mais je suis un nouveau président, donc je n'ai pas encore toutes les habitudes. Mais j'avais oublié que quand c'est une commission permanente, c'est à moi de présenter en fait l'ensemble des rapports. C'est pour ça que je ne voyais pas le nom des présidents de commission. Je m'en étonnais. Effectivement, comme notre commission permanente, c'est tous les élus, j'avais le sentiment qu'on était dans une assemblée plénière. Excusez-moi, je débute, mais je pense que d'ici quelques mois, ça ira bien mieux et je pourrai faire les choses correctement. Cela étant, sur les rapports, si certains qui président ces commissions veulent intervenir, et Chantal vient de nous apporter des éléments complémentaires, ils le feront bien entendu. En tout cas, ce rapport 12C00 est adopté.
12D00, il vous est proposé de conclure la convention de gestion de l'allocation RSA avec la CAF du Gers et d'autoriser le président du conseil départemental à la signer conformément au rapport. S'il n'y a pas de demande d'intervention et d'opposition, il est voté. Le rapport 12D01, il s'agit d'une subvention d'investissement et de fonctionnement de 10 000 euros à la commune de Mauvezin pour l'agrandissement de son épicerie sociale et d'une subvention de 1 000 euros à l'association La CIMAD du Gers pour ses actions en matière de lutte contre l'exclusion en 2021. S'il n'y a pas d'intervention ou d'opposition, il est adopté. Le 12D02, il s'agit de m'autoriser à signer le contrat d'objectifs et de moyens annuels à intervenir avec l'Agence régionale de santé pour l'habilitation du département du Gers en qualité de centre de lutte anti-tuberculeuse, conformément au rapport. S'il n'y a pas d'opposition, de demande d'intervention, il est adopté. Le 12E00 concerne l'allocation personnalisée autonomie. Il vous est proposé de m'autoriser à signer la charte en vue de la mise à disposition par la DGFiP d'informations permettant d'apprécier les ressources des bénéficiaires de l'APA. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. Le 12E01, c'est la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. C'est le rapport 2020 que je vous propose d'adopter tel qu'il figure au rapport. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. 12F00, c'est le règlement départemental d'action sociale, c'est son actualisation en 2021. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. Nous passons à la deuxième commission, transition écologique, solidarité pour les territoires et croissance verte. Avec le rapport 24L00, il vous est proposé, conformément au rapport, de prendre acte des rapports d'activité et financiers 2020 du Fonds de solidarité logement et des modifications de son règlement intérieur. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. Est-ce que Céline Salle n'est pas là parce qu'elle nous... Elle est là, oui. Non, parce que je crois que nous avons en ce moment même, au moment où nous parlons, la visite de la secrétaire d'État au logement, bon, qui tombe toute la matinée où nous avons séance, donc je me suis excusé auprès d'elle pour notre non-participation. On verra si à un moment donné, il y a quelques élus qui doivent se rendre à des choses particulières, mais ça concernait particulièrement notamment la ville d'Auch, si j'ai bien compris. 24L01, dans le cadre de la politique départementale de l'habitat 2019-2021, il vous est proposé de prolonger le dispositif actuel d'aide en faveur des propriétaires occupants pour une durée maximale de 6 mois dans les conditions qui figurent au rapport. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. 24L02, il vous est proposé d'annuler la subvention de 10 000 euros accordée à l'Office public de l'habitat du Gers, le projet de construction de 5 logements à Montaux, les créneaux étant abandonnés. Donc tout le monde vote sauf Bernard Xatz qui s'abstient. 24L03, afin de solder les actions du schéma départemental des espaces naturels sensibles 2017-2021 et d'élaborer le prochain schéma, il vous est proposé de proroger d'un an ce schéma. S'il n'y a pas d'opposition ou de remarque particulière, il est adopté. 24L04, il s'agit, compte tenu de l'intérêt pour la préservation de la biodiversité de l'espace naturel sensible parcelle de Merlaire à Barcelone du Gers, il vous est proposé de renouveler la convention de mise à disposition de cette parcelle avec un éleveur de chevaux pour l'entretien par pâturage conformément au rapport et de m'autoriser à signer cette convention. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. Enfin, 24N00, concernant la forêt départementale, dans le cadre du plan d'aménagement de cette forêt départementale, élaboré avec l'ONF pour la période 2018-2037, la vache, il vous est proposé d'arrêter l'état d'assiette 2022 qui porte sur les cantons forestiers de Saint-Blancard, de Régeaumont, de Labéjean et Saint-Germain, conformément au rapport. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. La troisième commission infrastructure de transport, ingénierie territoriale et nouvelle mobilité, le rapport 34M00 dont je vous parlais, qui concerne le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, conformément au rapport, il vous est proposé d'approuver
le plan de financement pour la réalisation du grand projet ferroviaire de Sud-Ouest, première étape Bordeaux-Toulouse et deuxième étape Sud-Gironde-Dax, précisant la part du département et d'autoriser le président du conseil départemental à signer le document correspondant l'engagement des discussions avec l'État et l'ensemble des collectivités concernées sur la modalité de raccordement du territoire gersois au futur gare LGV. Donc, s'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. C'est à mes yeux une décision extrêmement importante de notre collectivité. 34M01, projet de convention relatif à la gestion du domaine public routier, route nationale et départementale pendant l'achèvement et la mise en service de la déviation de Gimont. Il s'agit effectivement dans le cadre de la prochaine mise en circulation du contournement de Gimont. Il vous est proposé de conclure les conventions de gestion du domaine public routier avec l'État et d'autoriser le président, en l'occurrence moi, à signer. S'il n'y a pas d'opposition, c'est... Monsieur Quéret, quelque chose de particulier à dire sur ce chantier, sur la prudence qu'on doit, avec laquelle on doit dire aussi aux gens de circuler sur ces... Oui, parce qu'il va y avoir une période un peu particulière là, au mois de janvier. C'est l'objet d'une des parties de cette délibération, puisque l'extrémité de la section aux Chaubiettes et au raccordement avec ce que sera la déviation de Gimont va être fermée pour faire la jonction. Et donc le trafic va re-emprunter l'ancienne RN124 par Aubiette pendant 3 ou 4 semaines, voire 5. Donc pendant cette période-là, effectivement, la plus grande prudence. Et ensuite, la mise en service, je pense qu'effectivement, elle est programmée pour le début de l'année 2022, maintenant, comme vous le soulignez, c'est tout proche. Et l'autre partie de la délibération, c'est simplement, concerne l'ancienne RN124, la trois voies avant Gimont, avant l'Andoche, qui va être versée et rétrocédée au département. Donc ce sont les modalités de gestion. En tout cas, donc une période de 4 à 5 semaines un peu singulière en janvier. Et ensuite, on devrait aller vers l'ouverture de cette 2x2. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Rapport 34M02, il vous est proposé, conformément au rapport, de modifier le règlement départemental de l'allocation individuelle de transport relative au transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap, de conclure à cet effet un protocole organisationnel avec la même MDPH et de m'autoriser à le signer. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté et c'est tout pour la troisième commission. La quatrième commission, éducation, collège et jeunesse, avec le rapport K00, 43K00. Dans le cadre du programme Erasmus+, il vous est proposé de déposer un dossier de candidature pour la mise en place d'un nouveau projet en faveur des jeunes gersois en lien avec 4 pays, la France, la République tchèque, l'Italie et la Géorgie, intitulé « De D'Artagnan à Napoléon, pas à pas, l'Europe de Dumas ». Voilà quelque chose qui aura lieu dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. S'il n'y a pas d'opposition ou de remarques particulières, il est adopté. Rapport 43K01, dans le cadre du plan départemental jeunesse 2020-2030 et afin de poursuivre la sensibilisation des jeunes aux devoirs de mémoire, il vous est proposé de prendre en charge les frais inhérents à la venue de Madame Ginette Kolinka, rescapée de la Shoah et passeuse de mémoire auprès des collégiens prévue en février 2022 pour un montant estimé de 1 900 €. Elle était à la place que j'occupe aujourd'hui, il y a quelques semaines de cela, avec un hémicycle plein avec les agents et quelques élus d'ailleurs qui étaient présents, et je crois que nous avons tous été très émus et en même temps assez admiratifs devant l'énergie et la capacité de transmission de Ginette Kolinka, qui à la différence d'autres n'essaye pas de réécrire l'histoire vu qu'elle l'a vécue. 43R00, il vous est proposé d'approuver la contribution financière du département aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association pour l'année 2022 pour un montant global de 798 684 €, conformément au rapport. Il n'y a pas d'opposition, il est adopté. 43R01, dans le cadre de la découverte du patrimoine par les collégiens, il vous est proposé d'approuver la liste de leurs déplacements pour le second semestre 2021 et de verser une subvention plafonnée à 1 200 € par établissement, soit un montant total de 24 000 €, conformément au rapport. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. 43R02, projet voyage jeune, subvention au collège gersois au titre de l'année scolaire 2021.
Dans le cadre de l'aide au projet Voyage Jeune présenté par les collèges, il vous est proposé d'allouer des subventions pour un montant total de 920 €, soit 460 € pour le collège Françoise Héritier de Lijournin et 460 € pour le collège Val-d'Adour de Risque, conformément au rapport. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. 43R03, il vous est proposé d'approuver l'avenant à la convention relative au fonctionnement de la chaufferie bois du collège de Mirande, telle que figurante au rapport. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. 43R04, c'est le service de restauration des collèges du Gers. Dans le cadre des conventions d'objectifs et de moyens conclues avec les collèges, il vous est proposé d'approuver la charte départementale pour une restauration durable et de qualité conformément au rapport. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. Cinquième commission, culture et tourisme. Alors, je crois que Nathalie Barouillet voulait effectivement, avant qu'on examine ces rapports, prendre la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais simplement attirer l'attention de l'Assemblée sur deux des rapports qui sont présentés à son approbation aujourd'hui. Le premier, c'est celui de la Convention de généralisation de l'éducation artistique et culturelle à laquelle nous attachons une importance parce qu'il concourt à la formation des citoyens de demain. Donc c'est un partenariat qui nous réunit avec la DRAC et l'éducation nationale. Et cette année, il porte principalement sur l'éducation aux médias, donc avec tout un travail qui est réalisé autour des fake news et de l'utilisation des réseaux sociaux. On sait combien c'est important par les temps qui courent. Qui soutient le programme d'animation de Flaran à destination du jeune public et des scolaires, et qui vient aussi conforter l'ADA pour les projets éducatifs de territoire. Donc voilà, c'est un rapport qui aurait dû être présenté peut-être un peu plus tôt. Il a dû maturer, mais on a travaillé avec l'ensemble des partenaires et aujourd'hui, cette convention donc, est signée jusqu'en 2024. Et le second, donc, c'est celui qui nous permet de soutenir de façon nouvelle les équipes artistiques du spectacle vivant gersois. On en soutient plus d'une vingtaine. Elles ont souffert pendant la crise Covid. Elles présentent des emplois. Il avait été important pour nous de les soutenir et de permettre à l'emploi culturel de perdurer. Là, nous avons fait évoluer les critères d'attribution de ces aides pour coller au plus près des besoins, pour être vraiment pertinents par rapport à ce qu'ils nous apportent et ce qu'ils apportent au département. Donc, nos critères d'aide sont articulés autour de la création, de la diffusion aussi des actions d'éducation artistique et culturelle, du partage de leurs espaces de travail entre équipes artistiques départementales ou pour accueillir des projets extérieurs et des aides aux projets ponctuels. Donc voilà, c'est un travail qui s'effectue également dans l'échange avec le département des Landes, avec lequel nous travaillons pour harmoniser et surtout pour nous inspirer les uns les autres des actions qui sont menées de façon à ce que ce secteur de l'économie puisse traverser avec le moins de dommages possible la période difficile qu'ils doivent vivre. D'accord. Merci beaucoup Nathalie pour ces explications. Nous abordons donc le rapport 53K00. Il vous est proposé d'allouer des subventions pour un montant total de 97 000 € aux associations culturelles pour 2021 conformément au rapport. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. K01, c'est un projet de convention de généralisation de l'éducation artistique et culturelle 2021-2024 avec l'État tel que figurant au rapport. Pas d'opposition, il est adopté. K02, il vous est proposé de prendre acte de la sollicitation d'une subvention de 30 000 € auprès de la DRAC portant sur l'éducation artistique et culturelle au titre de l'année scolaire 2021-22, d'attribuer une subvention complémentaire de 20 000 € à l'ADA pour réaliser une action nouvelle de mise en œuvre du parcours éducatif, artistique et culturel dans les établissements scolaires sur l'année 2021-2022. Il n'y a pas d'opposition, elle est adoptée. 53K03, il vous est proposé d'adhérer à la Fédération nationale Arts vivants et départements pour un montant de 615 € en 2021. Pas d'opposition, c'est adopté. K04, afin de renforcer la politique culturelle départementale au plus près des populations et des territoires ruraux, il vous est proposé d'adopter le dispositif de soutien aux équipes artistiques professionnelles gersoises du spectacle vivant tel qu'il figure au rapport et de le mettre en place à compter de 2022. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté.
Le 53-K05, dans le cadre du renouvellement du portail de la lecture publique Médiagers et compte tenu d'éléments techniques nouveaux, il vous est proposé de prendre acte du coût actualisé du projet qui s'élève à 70 924 euros hors taxes et de notre demande de subvention de 54 982 euros auprès de la DRAC. Il n'y a pas d'opposition, il est adopté. 53-K06, il vous est proposé d'adopter le nouveau règlement pour la salle de lecture des archives départementales tel que figure en rapport. Il n'y a pas d'opposition, il est adopté. 53-K07, programme de restauration du patrimoine gersois. Troisième programmation, il vous est proposé d'allouer des subventions pour un montant total de 39 579 euros en faveur des propriétaires publics et privés qui figurent au rapport. Pas d'opposition, il est adopté. Enfin, 53-K08, il s'agit du maintien de la subvention allouée au comité d'animation du carnaval de Fleurance, subvention de 500 euros à ce comité pour un carnaval qui n'a pas pu se tenir de manière totalement parfaite en raison du contexte sanitaire avec une présentation du village italien Florence. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. Sixième commission, agriculture, alimentation et eau. Le premier rapport, c'est une convention de partenariat avec le syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne dans le cadre du projet Interreg Sudo Clim Alert, qui permettra d'accéder à un état des lieux précis réalisé par satellite des données liées à l'érosion et au risque de ruissellement de notre territoire. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. 64L01, il vous est proposé de prendre acte de l'arrêté portant réglementation de l'usage des lacs tels que figurant au rapport, d'approuver la démarche de commissionnement des gardes particuliers de la Fédération départementale de la pêche sur les plans d'eau, propriété du département, afin qu'ils soient habilités à dresser procès-verbal aux infractions constatées au dit règlement. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. Le 64L02, il vous est proposé d'adopter le dispositif d'accompagnement financier du département en faveur des vignerons gersois pour la lutte biologique respectueuse de l'environnement contre le ver de grappe, conformément au rapport. Nous allons donc faire une première expérimentation et ensuite, selon un règlement à faire, nous essaierons d'aider nos vignerons à lutter contre ce fléau que j'ai pu constater par moi-même et qui est effectivement un autre fléau que d'autres que nous avons connus, mais qui est tout à fait ravageur et tout à fait important pour nos vignerons. Et je pense que c'est important, après tous les épisodes qu'ils ont connus, notamment le gel, d'être à leur côté. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. Voilà pour la sixième, septième commission. Démocratie citoyenne, sport, vie associative et éducation populaire. Le rapport 73-J00, il vous est proposé d'allouer les subventions au titre de l'aide au maintien du tissu associatif d'intérêt infradépartemental conformément au rapport. Il n'y a pas d'opposition, vous connaissez ces dispositifs depuis longtemps. Il vous est proposé d'attribuer par le rapport 73-01 une subvention de 9 308 euros à l'Union départementale CGT du Gers pour la réalisation de son programme d'activité en 2021. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. 73-K00 sont les associations sportives. 46 000 euros aux associations sportives et collèges gersois. Annulation des subventions pour un montant total de 8 400 euros, les manifestations ayant été annulées en raison du contexte sanitaire. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. 73-K01. Dans le cadre de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, il vous est proposé d'approuver le lancement de la démarche participative citoyenne intitulée « Passe croisée gersoise » en vue de développer et transmettre les valeurs du rugby dans le Gers conformément au rapport, de conclure la convention de partenariat correspondante avec le comité départemental de rugby du Gers et d'autoriser le président à signer. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. On fera un petit cocorico gerso-occitain en ayant découvert que c'était un jeune joueur qui a beaucoup joué sous les couleurs d'Auch qui a été désigné cette nuit meilleur joueur du monde de rugby, en l'occurrence Antoine Dupont. Je crois que c'est une fierté, ça effectivement qu'on peut faire. S'agissant des Jeux olympiques et paralympiques, comme j'ai pu le dire, nous avons, vous le savez, beaucoup travaillé d'abord avec Lily Toison pour obtenir le label Terre de Jeux,
puis les opérations ont été reprises par Camille Bonne, et j'ai donc pu effectivement annoncer que le Gers ferait en 2024 partie des départements qui vont voir la flamme olympique traverser son territoire et peut-être même y rester. Je pense que c'est un événement que beaucoup de générations, si j'en juge par ceux qui se rappellent encore l'avoir vu passer en 92, comme Camille Bonne qui était enfant, je crois que ça marque toujours les esprits et que c'est pas toujours qu'on a quelque chose comme ça. Camille, tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur ce point ? Oui, je voudrais juste rappeler qu'on a lancé la grande collecte du rugby gersois aux archives départementales. Donc, on l'a lancée à partir d'hier. Vous pouvez vous-même, si vous en avez, mais c'est pour tous les gersois, c'est passé dans le journal, ramener des objets qui ont un trait au rugby gersois, tout type d'objets. Ça peut être de la coupure de presse, ça peut être des crampons, des maillots, des choses comme ça, afin de constituer un stock de la mémoire du rugby gersois, qui a maintenant plus d'un siècle. Et en vue pour la Coupe 2023, de faire une exposition aux archives et par le biais des archives de cette mémoire du rugby gersois. Et on a eu la fierté de recevoir Henri Broncan comme caution, on va dire, historique. Et j'espère qu'on pourra faire une très belle exposition avec tout ce que nous ont ramené tous les gersois. Merci. Merci Camille. Je vais peut-être pouvoir participer parce que j'ai encore dans mon bureau une motte de pelouse du stade de Pau, où le FCA avait battu Bayonne et était devenu champion de France. Et j'avais pris une botte de cette pelouse. Elle est très séchée, je le reconnais, mais elle existe encore. Et au fond, elle pourrait faire partie du patrimoine comme on essaye de le constituer. En tout cas, c'est une très, très belle initiative. Enfin, nous avons 1, 2, 3, 4 rapports K02, K03, K04, K05, qui sont en fait l'application de projets qui relèvent du BPG2, voire parfois même du BPG1. Dans le cadre des premiers et deuxièmes budgets participatifs gersois, il vous est proposé de conclure les avenants aux conventions pour proroger le délai d'exécution des projets des communes ou associations ci-après. Justian, projet intitulé « Des panneaux pour Justian ». L'ANPAX pour le projet « Restaurer l'église Saint-Pierre de Carins ». Club alpin français Hoche Gers pour le projet intitulé « Un mur d'escalade pour Hoche ». Massub pour le projet intitulé « Un terrain de padel à Massub ». C'est en fait des projets qui ont été lauréats de ces budgets participatifs, un ou deux, mais qui ont besoin un peu de temps pour les réaliser. Donc c'est pour ça que nous les prorogeons. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. Enfin, 8e commission, finances, patrimoine, départementale, ressources humaines. Le rapport numéro 1, 80A00, il vous est proposé, conformément au rapport, de donner acte de la communication relative à l'utilisation des crédits inscrits au chapitre des dépenses imprévues de la section d'investissement pour l'exercice 2021 pour un montant de 600 000 euros dans le cadre des charges liées aux dégâts survenus sur les routes départementales des communes de Miélan, Viella, Mansiette, Biran et Castelnavet à la suite d'intempéries en janvier de cette année. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. Le 80A01, il s'agit, conformément au rapport à la réglementation en vigueur, il vous est proposé de motoriser, avant le vote du budget primitif 2022, d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, de fonctionnement, les conditions figurant au rapport, de verser des acomptes aux organismes dont la liste figure au rapport, soit au titre de leurs subventions annuelles, soit au titre de participation et contributions obligatoires, dans la limite du montant de la subvention accordée en 2021. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. 80S00, partenariat de communication. Dans le cadre de partenariat de communication, afin de promouvoir le département, il vous est proposé d'attribuer les subventions pour un montant total de 1 700 euros au titre de l'année 2021 aux associations relevant du domaine de la culture et du sport dont la liste figure au rapport. S01, il s'agit d'un partenariat de communication afin de promouvoir le département. Il vous proposait d'attribuer des subventions pour un montant de 4 700 euros aux structures relevant des filières agritouristique dont la liste figure au rapport. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. 80S02, il vous est proposé d'attribuer une subvention de 2 000 euros aux jeunes agriculteurs du Gers dans le cadre d'un partenariat de communication lors de Gascogne Agri 2021.
S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. 81 S03, subvention à l'association ID3 dans le cadre de sa mission d'animation et de coordination de Résolument Égalité dans le Gers. Il vous est proposé d'allouer une subvention de 1 000 euros à l'association ID3 pour une opération de communication en faveur de la lutte contre les violences conjugales dans le département par la distribution de pochettes de pain. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. S04, il vous est proposé de donner acte de la communication relative à l'activité des services de l'administration départementale en 2020, conformément au rapport, et d'en féliciter notre directeur général des services, ses directeurs et les agents. Pas d'opposition, il est adopté. Le I00, il vous est proposé de donner acte de la communication relative au plan de formation 2021-2022 en faveur des agents de la collectivité, conformément au rapport. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. 83I01, modification du tableau des emplois. Il vous est proposé d'approuver les modifications du tableau des emplois du département nécessaires au fonctionnement des services conformément au rapport. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. 83I02, conformément à la réglementation relative aux lignes directrices de gestion après avis du comité technique du 2 décembre 2021, il vous est proposé de valider les critères d'avancement et de promotion interne ainsi que les ratios d'avancement dans les conditions figurant au rapport. S'il n'y a pas d'opposition, de remarque particulière, il est adopté. I03, ce sont des mises à disposition de fonctionnaires. Il vous est proposé de valider les mises à disposition de fonctionnaires auprès d'organismes figurant au rapport et de m'autoriser à signer les conventions correspondantes. Pas d'opposition. I04, il vous est proposé de conclure une convention de partenariat avec EDF afin de permettre aux assistantes sociales du personnel d'accéder au portail d'accès au service solidarité d'EDF en vue d'accompagner les agents du département en situation de précarité énergétique. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. I05, il vous est proposé d'adopter les modalités de versement du forfait mobilité durable d'un montant maximum annuel de 200 euros afin d'encourager les agents départementaux à pratiquer vélo ou covoiturage pour leur déplacement domicile-travail dans les conditions figurant au rapport. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. J00, il vous est proposé de prendre acte du règlement intérieur de la commission d'appel d'offres tel qu'il figure au rapport. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. Le J01, ce sont les marchés publics. Il vous est proposé de me donner acte de ma communication concernant la délégation d'attribution en matière de marché public pour la période du 1er avril au 30 juin 2021, conformément au rapport. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. J02, il vous est proposé d'accorder un mandat spécial à Mme Hélène Rosis-Le Breton, vice-présidente de la 7e commission chargée de la démocratie citoyenne et du budget participatif, qui s'est rendue aux rencontres nationales des budgets participatifs à Angers du 7 au 9 novembre dernier, et de prendre en charge les frais de transport liés à ce séjour. Concernant les missions des conseillers départementaux se déroulant dans les communes de la métropole du Grand Paris et à Paris, de prendre en charge leurs dépenses aux frais réels dans la limite de 150 euros la nuitée. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. Au passage, c'est resté tout à fait non connu, mais il y a eu la semaine dernière le congrès de l'Association des départements de France à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Je dois vous dire que je n'y suis pas allé, comme beaucoup de mes collègues, parce que je trouvais que dans une région et un département où la circulation du virus était très forte, il y avait quelque chose d'assez incroyable de vouloir en permanence restreindre les gens dans leur convivialité et de se réunir à 1200 dans un endroit commun pour ensuite y faire des dîners qui pouvaient être dangereux, voilà. Donc, mais comme de toute façon, personne n'a parlé de ce congrès de l'ADF, de toute façon, personne n'a su qu'on n'était pas là. Bon, donc c'est pour ça que je vous le dis, vous avez sans doute remarqué que j'y étais pas. Bon, on passe au 83J03. Il s'agit de désigner des représentants du conseil départemental au sein de commissions et d'organismes divers. Alors, pour l'agence des Pyrénées, Madame Hélène Rosis-Le Breton. Pour le comité de pilotage relatif à la généralisation de l'éducation artistique et culturelle, Nathalie Barouillet, Jérôme Samalin, Cathy Dast-Leplus, Patrick Guy et Patricia Clément pour représenter l'administration départementale.
pour le comité technique départemental de la SAFER, Bernard Gendre, pour le comité de pilotage Passe-Croisée Gersoise, Camille Bonne en qualité d'élu référent et Sophie Firmino en qualité de référent administratif, comité de pilotage de l'opération Collège EOS Cazaubon, Madame Esperon et Monsieur Guanel ont été désignés. Voilà. Tuc, tuc, tuc. Ok. Oui, c'est un changement qu'on avait effectué. Donc, si tout le monde est d'accord avec ces nominations, il est adopté. 84N00, dans le cadre des travaux de réaménagement des locaux de la subdivision d'exploitation de route au secteur Lys-Jourdain, il vous est proposé d'approuver l'avant-projet détaillé dont l'estimation prévisionnelle des travaux s'élève à 278 000 euros hors taxes et le coût d'opération 420 000 euros toutes taxes comprises, conformément au rapport. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. 84N01, il s'agit du maquis du Meillan, dans le cadre de la création d'un bloc sanitaire adapté aux personnes à mobilité réduite sur le site du maquis du Meillan, il vous est proposé d'approuver le programme de travaux pour un montant de 100 000 euros et un coût d'opération de 150 000 euros, toutes taxes comprises. Il n'y a pas d'opposition, il est adopté. 84N02, c'est le dernier rapport de cette commission et de notre séance. Il vous est proposé de m'autoriser à signer avec la société Enedis l'acte authentique de servitude pour la construction d'une ligne électrique souterraine de 400 volts sur une parcelle située à Hoche dans les conditions figurant au rapport. S'il n'y a pas d'opposition, il est adopté. Mes chers collègues, cette séance qui est la dernière de l'année aura été bien sûr l'occasion de mettre en place toute une série de dispositifs attendus par les Gersoises et les Gersois et de prendre quelques décisions importantes. Nous n'avons pas encore fixé de date de la prochaine réunion, mais je voulais juste vous dire que si je ne vous voyais pas d'ici la fin de l'année, je voulais vous souhaiter un bon Noël, une très bonne fin d'année et surtout vous dire d'être prudent pour vous et pour vos familles. Merci.